pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va revoir un vieux classique, un Gravity Cake. J'ai eu une conversation avec quelqu'un qui m'a donné l'idée de faire ce gâteau. En plus, mon fils a besoin d'un gâteau pour l'école, donc c'est l'idéal. Ce gâteau, vous pouvez vous en servir justement pour l'emmener à l'école ou pour une fête d'anniversaire pour un garçon, c'est l'idéal. C'est très simple, je vais vous montrer comment faire une ganache russe au chocolat au lait. On avait déjà vu au chocolat blanc. Donc là, c'est une petite variante qui est tout aussi simple. Si vous avez des questions, vous faites comme d'habitude, vous les posez en dessous de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. Donc on commence par le gâteau au yaourt, vous en faites deux comme je disais. Et ensuite, on enchaîne avec la ganache russe au chocolat au lait. Pas facile à dire, ganache russe au chocolat au lait. Alors voici mon Gravity Cake Pépito. Vous avez vu à l'intérieur, à un certain moment je me suis arrêtée, j'ai décidé de mettre des pépitos entre les ganaches. Comme ça, alors ça, il
risque, le biscuit risque d'être, de prendre l'humidité, donc d'être moelleux, mais on aura quand même le goût de pépito, donc c'est ce qui est important, il ne va pas rester croustillant parce que le gâteau ne sera pas mangé ce soir, il sera mangé demain matin. Donc voilà, vous pouvez vous passer de pépito à l'intérieur, ça c'est vraiment une petite variante très gourmande. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, à bientôt pour une nouvelle recette.